Cette pharmacie couronne l'action des cadres du village avec à leur tête Léandre Kofi, président des journalistes culturels de Côte d'Ivoire et opérateur économique qui ont offert une infirmerie fonctionnelle il y a un an dans ce village. Cette cérémonie a donné l'occasion à Léandre Kofi d'exhorter ses frères au travail et surtout à l'unité, parce que c'est dans l'union qu'ils pourront faire de grandes choses pour leurs parents restés au village. Il a profité de cette occasion pour remercier la donatrice Marie-Antoinette Agbassi, qui, au-delà de l'action commerciale, contribue au bien-être des parents paysans en leur permettant d'acquérir les médicaments sans forcément se rendre en ville. Léandre Kofi a saisi cette occasion pour annoncer la mise sur pied d'une mutuelle de développement du village et bien d'autres actions d'envergure qui visent à donner un mieux-être à ses parents. Marie-Antoinette Agbassi, la donatrice, a justifié son action comme sa modeste contribution à la bonne santé des populations de Kroukroubo. Les autorités politiques, administratives, les responsables de la santé de la région et les cadres du village de Kroukroubo ont pris part à cette cérémonie.